Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux à nous rejoindre pour ce deuxième webinaire de notre communauté de pratique francophone et internationale santé mentale et travail. Aujourd'hui, on va parler stigmatisation, stéréotypes autour des troubles psychiques au travail, mais surtout finalement de la manière dont on peut faire tomber ces barrières invisibles. Alors, un petit mot sur notre communauté de pratique avant de démarrer. Nous sommes un réseau qui réunit des chercheurs, des employeurs, des personnes concernées, des professionnels de l'accompagnement, de la santé, finalement tous les acteurs et parties prenantes qui interviennent et participent à un moment ou un autre à la question de la santé mentale au travail et au parcours d'accompagnement des personnes concernées. Nous sommes un réseau international représenté dans 5 pays à ce jour francophones, que sont le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, le Canada et la France. Alors notre objectif dans ce réseau, c'est de partager, de faire connaître, de promouvoir des pratiques qui ont fait leurs preuves, qui sont efficientes et qui participent à une meilleure prise en compte de la santé mentale au travail. On a la conviction que c'est un sujet sur lequel on doit pouvoir largement progresser. Des choses existent, méritent d'être partagées et connues. Des choses méritent d'être explorées, travaillées et faire l'objet de recherches pour que les personnes ne soient plus mises à l'écart ou victimes de discrimination. Et certainement la conviction que ces travaux, cette réflexion doit nous amener à fabriquer des environnements plus inclusifs et qui prennent mieux en compte la singularité des personnes. Je fais une petite parenthèse avant de démarrer sur un projet de recherche que l'on mène dans un des axes de travail de notre réseau et pour lequel nous menons une grande enquête auprès de tous les acteurs de la santé mentale au travail, qu'ils soient spécialistes ou non spécialistes. Vous avez reçu un mail vous proposant de répondre à notre enquête. N'hésitez pas à remplir et à communiquer ce lien-là pour qu'on ait un échantillon significatif et porteur et pouvoir mener une recherche ambitieuse pour mieux comprendre le sujet et éclairer les mécaniques à la fois d'emploi et de maintien dans l'emploi. Alors, aujourd'hui, notre rencontre s'intitule Santé mentale au travail. Pourquoi est-ce si difficile d'en parler? Ce qu'on voulait mettre en discussion et ce que l'on perçoit souvent ou que l'on expérimente dans le monde du travail, c'est finalement le caractère indicible que représentent parfois les troubles psychiques dans la vie professionnelle. Un certain nombre de travaux depuis des années nous révèlent à quel point les questions de santé mentale font l'objet de représentations négatives et que vraisemblablement ces représentations évoluent peu. Il y a une tribune qui est parue le mois dernier dans un grand quotidien français et écrite par un grand psychiatre et la présidente d'une des plus grosses associations de personnes concernées et de proches qui s'intitulait encore « Les souffrances psychiques restent encore incomprises, voire méprisées et donc indicibles ». On se dit que finalement, il y a une grande méconnaissance autour de ces sujets qui fabrique un interdit conversationnel et finalement un impensé dans le monde du travail. Le sujet devient tabou et la boucle est bouclée. Puisqu'il est tabou, il est bien normal de ne pas en parler. Dans l'entreprise, qu'est-ce que ça génère? Le fait que les personnes concernées se voient contraintes de travailler dans le silence, à se cacher, les obligeant à trouver des stratégies de dissimulation parfois épuisantes, et qui, dans une certaine mesure, peuvent les rendre vulnérables sur le marché de l'emploi. Alors aujourd'hui, on voudrait essayer de répondre à plusieurs questions autour de ce sujet et surtout dessiner des perspectives de solutions ou en tout cas d'action. Quelle est la nature de ces représentations et la manière dont cela impacte les stratégies d'embauche ou de maintien dans l'emploi? Comment parfois le sujet peut être partagé, les conditions sont réunies pour divulguer ces problèmes de santé mentale au travail, et finalement, qu'est-ce que ça favorise ou soutient aussi dans l'entreprise? Comment contribuer à faire reculer les idées reçues, les stéréotypes, et quel peut être le rôle de l'entreprise? Comment créer les conditions d'une parole libérée, porteuse de considération, d'inclusion et de reconnaissance? En France, au Canada, des livres
sont encore parus récemment, écrits par des collectifs ou des experts sur le sujet pour casser les idées reçues autour de la psychiatrie et de la santé mentale. Dans le monde du travail, il y a un immense défi pédagogique que l'on doit relever. Et pour parler de tout ça, on a aujourd'hui trois femmes inspirantes de par leur expérience, leur recherche et leur mission, leur responsabilité professionnelle, et qui ont accepté aujourd'hui de discuter de ce vaste sujet. Donc, pour intervenir aujourd'hui dans ce deuxième webinaire, nous avons Sonia Labéron, qui est docteure en psychologie du travail, chercheuse à l'Université de Bordeaux, et qui partagera notamment quelques éléments de ses derniers travaux de recherche auprès d'employeurs sur les représentations sociales et les attitudes face aux troubles psychiques. Ensuite, nous donnerons la parole à Laurence Martin, qui est libraire en Belgique, qui est elle-même concernée par des troubles psychiques et qui va nous parler de son action à la fois en faveur de la lutte contre la stigmatisation, la pédagogie, finalement, faire connaître les troubles psychiques, et puis de son parcours dans l'entreprise, comment elle a pu parfois divulguer ses troubles et partager son expérience avec ses collègues. Et puis, Lauriane Drolet, merci d'être également présente aujourd'hui. Lauriane est en charge de la santé mentale et du bien-être dans l'entreprise Bell Canada, qui agit depuis maintenant plus de 10 ans en faveur de la santé mentale, est une entreprise particulièrement active sur le sujet. Et donc, Lauriane ne pourra malheureusement pas nous expliquer toute l'action de l'entreprise, mais fera un focus notamment sur les actions en faveur de la sensibilisation et de la lutte contre la stigmatisation. Donc nous avons 1 heure, c'est très dense, on a beaucoup de choses à dire, donc je passe tout de suite la parole à Sonia Labéron pour partager ses travaux de recherche. Merci beaucoup Claire. Bonjour à tous. Merci de m'inviter à partager ces quelques résultats d'une recherche qu'on a menée auprès de dirigeants et de DRH d'entreprises en France, donc entreprises publiques, privées, de moyenne et grande taille. Bon, j'ai choisi de mettre le projecteur sur vraiment quelques éléments qui peuvent nous donner des pistes d'intervention, donc à savoir les leviers et les freins attitudinaux, représentationnels, à l'inclusion des personnes présentant des problématiques de santé mentale. Alors, pour rentrer directement dans le sujet, un petit focus sur les principaux freins attitudinaux. Donc, ces freins, ils représentent, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un fardeau organisationnel. C'est-à-dire que finalement, ce qui ressort du discours et des attitudes des employeurs, ce n'est pas tant ce qui est en bas de la pyramide inversée, là, c'est-à-dire ce qu'on pourrait s'attendre, en fait, ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est-à-dire des freins financiers ou des freins en termes d'investissement humain ou des problèmes de compétences. On entend ça beaucoup, hein, on s'attendait à avoir un petit peu plus d'éléments là-dessus. Finalement, ce qui représente la plus grosse crainte qui a été évoquée par les employeurs, c'est le fait que ça génère de l'inquiétude chez les managers, c'est le fait que ces personnes aient des comportements différents des autres salariés. C'est la peur d'un phénomène de contagion, c'est-à-dire que ça crée de l'usure professionnelle pour les collègues, que ça ralentisse la productivité, et donc, par effet ricochet, préconiser d'avoir des postes, de donner accès à des postes à faible responsabilité aux personnes donc présentant des problèmes de santé mentale. Donc évidemment, tout ça est très freinant par rapport à l'embauche de ces personnes. Le côté plus positif, quels sont les leviers que l'on a pu recueillir dans les attitudes de ces employeurs? Ce sont des leviers qui renvoient plutôt à de la citoyenneté, à savoir des employeurs qui ont une certaine ouverture au changement et à la remise en question, par exemple, du management, des méthodes de travail. Donc, ils disent, ben, ce type d'inclusion, ça peut éventuellement nous permettre de nous remettre en question,
de travailler une nouvelle organisation du travail, qui plus est, qui pourrait être bénéfique à tous. Hein. Ils sont 60% à dire ça, à dire, bah, de notre échantillon, bien sûr, à dire, mais finalement, on peut peut-être, grâce aux aménagements qu'on met en place, trouver des meilleures façons de fonctionner qui soient au bénéfice de tout le monde. Et puis, on peut contribuer à changer les représentations de la différence en milieu de travail. Donc, ils sont un peu plus, oui, à peu près la moitié à dire, mais c'est peut-être une opportunité de challenge et c'est peut-être un moyen d'accomplir notre un devoir citoyen. Donc ça peut être un levier. Alors, un petit schéma qui paraît peut-être un petit peu compliqué, mais finalement qui est assez éclairant et qui donne des pistes pour voir comment on peut diminuer ses freins et comment on peut surtout renforcer et développer les ressources. Alors, j'ai mis à gauche ici l'effet possible des caractéristiques des dirigeants ou des entreprises sur ces attitudes, le développement de ces attitudes et in fine sur l'intention d'embauche. Ce qu'on a constaté dans notre échantillon, c'est qu'il n'y a aucun effet. Donc, ça, c'est un résultat intéressant parce que il n'y a pas d'effet, je dirais, d'une personne et de ses caractéristiques en particulier, ni d'une structuration particulière de l'entreprise. Les attitudes, elles ne viennent pas de là, en fait. Donc, finalement, tout le monde est capable d'inclure ou d'exclure, toute entreprise est capable d'inclure ou d'exclure. Un facteur assez important qu'on a relevé, c'est, vous le voyez tout à fait à gauche, du schéma, l'expérience positive versus négative d'inclusion au travail. Quand il y a une expérience positive d'inclusion d'une personne présentant des problèmes de santé mentale, donc d'inclusion au travail, que cette expérience s'est révélée être une réussite, alors il va y avoir un fort impact sur les attitudes de rejet. C'est-à-dire que j'ai mis un gros moins, vous voyez, sur cette flèche, c'est-à-dire que ça va diminuer les attitudes de rejet. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention aussi, ça veut dire que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si l'expérience est négative, eh bien, on va avoir une augmentation forte des attitudes de rejet. Si l'expérience est positive, elle augmente également de façon un peu moins forte, mais quand même, les attitudes inclusives, hein, donc toutes ces attitudes dont je vous ai parlé précédemment. Si on continue dans ce petit schéma, on voit que finalement, quand ces employeurs développent des attitudes de rejet, eh bien, ça va favoriser, hein, c'est la flèche avec le plus, ça va favoriser les appréhensions et la motivation. Alors, la motivation, ça veut dire je ne veux pas recruter, en fait, je ne suis pas motivé à recruter ce type de personne, je n'y vois pas d'intérêt, etc. Donc, plus on a des attitudes de rejet, évidemment, plus on a d'appréhension, moins on a envie de recruter des personnes présentant des problèmes de santé mentale. D'un autre côté, si on a des attitudes inclusives, eh bien, on va voir augmenter une sorte de motivation citoyenne à embaucher ces personnes-là. Et on voit aussi que ça a un impact fort sur le niveau d'investissement que le dirigeant va consentir à mettre en œuvre pour intégrer ces personnes-là. L'effet intéressant aussi, c'est qu'on voit que même si c'est un effet plus faible, ces attitudes inclusives contribuent à diminuer les appréhensions et la motivation. Donc le fait de ne pas vouloir, de ne pas être motivé à recruter. Ah, alors là, hop. J'avais pas fini. Et alors, in fine, ce que l'on voit, c'est que on a également une variable qui intervient en effet quasiment direct, c'est-à-dire c'est cette politique sociale. Est-ce que la politique sociale de l'entreprise est développée? Alors, dans politique sociale, on avait mis des politiques de santé mentale, de développement de la diversité, de prise en compte du handicap. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il y avait un effet positif. Ce sont des effets faibles, mais quand même des effets directs. Plus la politique sociale est développée, eh bien, plus on va avoir des intentions d'aménager, d'investir dans les aménagements, des intentions d'embauche de ce type de public, et moins on va avoir d'appréhension. Donc cette politique sociale, elle est importante quand même.
Et puis dernière chose, ce que l'on voit aussi dans cette dernière partie du schéma, c'est que l'intention d'embauche, eh bien, elle est directement impactée évidemment par les appréhensions, la motivation. Plus j'ai d'appréhension, moins j'ai l'intention d'embaucher. Et inversement, plus j'ai de motivation citoyenne, plus j'ai l'intention d'investir dans les aménagements, plus je vais avoir une intention d'embauche élevée. Voilà, plus je vais me lancer dans ce type de recrutement. Alors, pour conclure finalement sur ces éléments-là et peut-être donner quelques pistes de préconisation, d'orientation, le résultat qui est quand même, je dirais quelque part positif, c'est qu'on a trouvé en fait peu d'attitudes tranchées réellement des employeurs que l'on a interrogés. On ne peut pas dire que ces personnes-là, il y en a très peu en fait qui se sont révélées totalement contre ce type d'inclusion. Ce qu'on constate, ce sont des attitudes beaucoup plus ambivalentes, avec une intention d'embauche qui reste assez mitigée. Donc l'idée ici, c'est plutôt d'appuyer hein, sur tous les éléments d'inclusion par la citoyenneté, puisque la citoyenneté semble être une motivation importante pour les entreprises. Alors la motivation citoyenne, c'est aussi, c'est aussi l'affichage, bien sûr, de l'entreprise, c'est aussi adhérer ou remplir ses devoirs de responsabilité sociétale de l'entreprise, etc. Donc ça semble être, ces éléments-là semblent être quand même des leviers sur lesquels on peut agir. L'idée étant évidemment de faire basculer la balance hein, vers la question, plutôt vers l'inclusion et limiter un petit peu les appréhensions, celles-ci pouvant être limitées surtout par un accompagnement non pas forcément de la personne présentant des problèmes de santé mentale, mais plutôt de l'entreprise, des managers, du collectif de travail, faire de la sensibilisation, les accompagner dans l'intégration de ces personnes-là, a montré qu'effectivement, ça permettait de réduire ces appréhensions. Donc c'est plutôt ces éléments-là qu'il faudrait, sur lesquels il faudrait s'appuyer. Et puis surtout, 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 essayer d'éviter des insertions non maîtrisées. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans ce type d'insertion, il est toujours bénéfique d'évaluer un peu la maturité de l'organisation à intégrer ce type de personnes, parce que, comme on l'a vu, une expérience qui se passe mal va venir renforcer, augmenter les appréhensions et évidemment diminuer les intentions d'embauche. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous indique avec joie le livre de mes collègues Luc Vigneault et Tania Lecomte dans lesquels nous avons contribué sur évidemment préjugés, discrimination et l'exclusion en santé mentale. Il y a beaucoup, beaucoup de pistes dans ce livre à explorer pour la déstigmatisation. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Sonia pour ces éléments d'éclairage et de compréhension et puis cette référence à cet ouvrage qu'on mettra également en ligne si vous voulez prendre le temps de le retrouver. On comprend que le sujet n'est pas simple, que ce n'est pas l'affaire d'un homme, ça n'est pas l'affaire non plus que de l'institution ou de l'organisation, c'est à la fois une affaire d'individu et de collectif. Et tu nous as parlé d'appréhension, de politique sociale. On va essayer d'illustrer la manière dont on peut avancer sur ces sujets-là, notamment dans un premier temps avec Laurence Martin, qui justement a fait tout un travail d'information, de pédagogie et de sensibilisation, notamment grâce aux réseaux sociaux. Du coup, Laurence Martin, j'ai envie de démarrer avec vous, avec cette première question sur, voilà, peut-être le récit, la manière dont vous avez commencé à œuvrer sur la lutte contre la stigmatisation, quel a été votre moteur au départ, et nous raconter le blog que vous avez créé sur la schizophrénie il y a maintenant plus de 10 ans. Voilà. Donc voilà, c'était quand même très précurseur à l'époque.
Et donc, si vous pouvez nous raconter un peu cette histoire. Oui, bah, ça fait même plus de 15 ans. Ah, Donc, c'était un peu après le drame de Pau, dans les médias, dès que il y avait une personne schizophrène qui sortait de l'hôpital sans autorisation, ça faisait la une du JT. Il y avait des discours très sécuritaires. Donc, moi, je me sentais un peu complice de cette stigmatisation en n'en parlant pas autour de moi de mon diagnostic, en fait. Donc, parce que j'avais un travail, donc j'étais libraire, et personne à mon travail ne savait que j'avais un problème de santé mentale, encore moins ce diagnostic-là, de schizophrénie, donc. Et je me suis dit un jour, bah, je vais créer avec où il y aura le journal que j'ai écrit quand j'étais malade. Pas forcément dangereux, on n'est pas des tueurs sanguinaires dans la nature. Et puis après, j'ai créé un groupe Facebook et à ce moment-là, quand on crée un groupe Facebook, ben, tous les amis le voyaient. Et donc mes collègues l'ont vu et c'est comme ça qu'ils ont su en fait que j'avais ce diagnostic de schizophrénie. Je l'ai dit quand même, ça faisait je pense 2, 3 ans que je travaillais là, mais je voulais pas le dire au départ parce que je voulais pas qu'on me réduise à ça en fait. Donc je voulais que les gens me connaissent moi d'abord comme Laurence, comme leurs collègues, comme et qui se disent, ah ben oui, ben, peut-être elle est schizophrène, ok, mais pas dès le départ dire, voilà, j'ai cette pathologie. ne pas être réduite finalement, stigmatisée et réduite à une maladie et finalement laisser la place au fait de se connaître, de faire connaissance et de voir toute la personne et la professionnelle que vous êtes. Malgré tout, il y a eu un moment où, à travers ce blog, vous vous êtes dévoilé. Qu'est-ce que ça a permis ou est-ce que ça a été un soulagement pour vous ou pas? Et chez vos collègues, qu'est-ce que ça a provoqué? Oui, ça a été un certain soulagement parce que c'est assez dur de vivre dans le secret. Il faut tout le temps cacher les choses. En plus, c'était à l'époque, je suis tombée malade quand j'avais 17 ans, là j'en ai 24, au début où j'ai commencé à travailler. Et j'étais encore pas super, super stabilisée, je vais dire. Donc j'avais un comportement qui pouvait paraître bizarre. Par exemple, il y a un collègue qui m'a dit un jour, bah, t'as jamais pensé à aller voir un psy ou des choses comme ça. Donc, il fallait tout le temps que je cache cette maladie, ce diagnostic. Et pour moi, ça a été un soulagement de pas forcément en parler parce qu'on n'en parlait pas nécessairement au travail, mais simplement ne plus cacher et dire ben voilà je vais chez ma psy ou je prends des médicaments des choses comme ça mais et ça chez mes collègues ben ça je pense qu'ils m'ont mieux comprise parce qu'avant quand je pleurais ou des choses comme ça ils s'inventaient des raisons à mon comportement qui était complètement à côté de la plaque et je pense qu'ils ont été plus bienveillants envers moi. Et également, ça a libéré une certaine parole parce que j'ai une collègue qui m'a dit, bah, tu sais, ma mère est schizophrène. On se rend compte, en fait, quand on en parle, que beaucoup de gens sont touchés en silence. Exactement. Ouais. C'est ça, hein, souvent ce que l'on entend dans les témoignages, c'est que personne ne dit rien, tout le monde Voilà. déploie une énergie importante pour masquer tout cela. Or, statistiquement, on est tous concernés, soit par nos expériences personnelles, soit par nos proches qui font l'expérience de problèmes de santé mentale. Et effectivement, collectivement, on masque, on est dans le silence vis-à-vis de ce sujet-là. Laurence, vous me disiez que aujourd'hui vous avez changé d'employeur et que, en revanche, vous aviez moins ressenti peut-être aujourd'hui le besoin d'en parler à votre employeur.
Ben, déjà parce que je suis en CDD jusqu'au 31 décembre. Enfin, là, je viens de signer mon CDI, donc ça va. Mais je veux dire, je ne veux pas prendre de risques non plus inconsidérés. C'est bien de vouloir déstigmatiser, mais il faut quand même penser un peu à soi aussi. Et puis, dans mon ancienne entreprise, c'était une entreprise où tout le monde était un peu cash sur son vécu, sur. Enfin, on parlait très facilement. Ici, j'ai l'impression que les gens sont un peu plus réservés. Donc, je me dis, ben, c'est ma vie privée. Donc, c'est vrai que. Pour déstigmatiser, oui, c'est bien, ça serait une bonne chose à faire, un espèce de geste politique. Mais pour l'instant, j'en ressens moins le besoin. Pas que l'entreprise est moins. Parce que c'est une petite entreprise familiale. J'ai l'impression que ça pourrait passer aussi. Mais non, je n'ai pas envie de le dire pour l'instant, en fait. Ce qu'on voit dans ce que vous partagez, Laurence, c'est qu'effectivement, il y a un enjeu de dosage entre le risque que ça peut représenter, parce qu'on sait qu'il y a de la stigmatisation, et les bénéfices que ça peut vous apporter. Et vous me disiez en préparant ce webinaire aussi que voilà, vous êtes aujourd'hui dans un moment de votre vie où peut-être que ça se répercute un peu moins sur votre vie professionnelle, vous êtes plus stabilisé. Donc, il y a aussi peut-être moins de problèmes d'incompréhension ou de surinterprétation qui expliquent le fait que vous avez peut-être aussi, vous, un peu moins besoin Oui, tout à fait. de partager cela. J'en profite en même temps parce que je ne sais pas si vous voyez le chat qui défile, mais il y a beaucoup de gens qui saluent votre courage, votre engagement et qui disent à quel point ça fait du bien de vous entendre parler. Je voulais encore vous poser une question, Laurence, parce que donc vous avez créé ce blog pour informer sur la schizophrénie. Aujourd'hui, vous avez plutôt choisi le réseau social Twitter. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous œuvrez maintenant et finalement vous cherchez à être plus impactante dans votre action? Ben parce que le blog, ben déjà, bon, ben les blogs sont moins en vogue pour l'instant, donc ça marche moins. Et j'ai créé un compte Twitter au départ quand j'ai changé de traitement parce que je voulais un peu parler de ça. Ça méritait pas un billet de blog. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose. Donc, j'avais créé ce compte Twitter pour ça, pour parler de ça. Et puis, ça permet en fait de partager peut-être plus facilement des petits, je ne vais pas dire des mots, mais enfin, des petites réactions à des choses qui se passent, que j'entends à la télé, que je vois dans mon entourage, des choses comme ça. Et le blog, ben, ça touche surtout les gens qui s'intéressent déjà à la. Tandis que Twitter, ben, parfois, j'avais fait un tweet qui avait été retweeté, je sais plus, enfin, et ça avait touché 100 000 personnes. Donc je me dis, ben, dans ces 100 000 personnes, forcément, il y en a plein qui ne s'intéressent pas forcément à la santé mentale et qui vont avoir ce message-là. Donc voilà, ça permet de toucher plus de gens, par ce biais-là. Et voilà, moi j'avais été très frappée quand vous m'aviez parlé de ça, de dire effectivement sur la pédagogie autour de la santé mentale, la lutte contre la stigmatisation, ce que l'on voit souvent, c'est que toutes les actions d'information vont souvent en direction de gens qui sont déjà concernés. Aujourd'hui, on a besoin d'élargir ce cercle-là. Et effectivement, vous, grâce à Twitter, vous traquez. La manière dont dans les médias où on peut stigmatiser les personnes avec des formules maladroites ou réductrices ou stéréotypées, et finalement, en étant réactif sur ces réseaux-là, vous essayez de renverser le stigmate ou en tout cas de casser les stéréotypes auprès du grand public finalement. Oui, voilà, tout à fait. À mon niveau. Bravo en tout cas Laurence Merci. pour le travail que vous faites et puis voilà le courage que ça représente parce qu'on sait qu'il y a un risque, on sait que la société elle n'est pas toujours prête à entendre, à recevoir un certain nombre de messages et quelque part vous incarnez aussi l'espoir et le champ des possibles sur le fait que ben voilà, on peut, c'est quand même des sujets dont on peut parler parfois.
Ça a des vertus et ça nous permet, enfin moi je garde l'image en tout cas de votre entreprise où finalement tout le monde a dit, ben moi aussi je suis concernée quelque part Ouais. et se sentir collectivement concerné par ces enjeux de santé mentale et pas uniquement désigner une personne qui serait porteuse de troubles. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage et bon travail sur la toile, sur la lutte contre la stigmatisation. Je vais maintenant passer la parole à Lauriane Drolet. Donc vous êtes responsable de la santé mentale au travail et du bien-être au sein de l'entreprise Bell Canada, qui est très active sur le sujet de la santé mentale à la fois en interne et à la fois à l'externe depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, vous allez partager avec nous à la fois l'action qui est menée par Bell Canada, mais aussi ce que vous avez finalement pu mesurer après toutes ces années de l'impact de ces actions-là et de ces programmes, et notamment des programmes de sensibilisation sur la population et les salariés de l'entreprise. Donc, je vous laisse la parole pour nous expliquer comment vous vous y prenez et ce que ça fabrique finalement dans votre entreprise. Alors, ben merci, bonjour à tous, merci de l'invitation. Donc, je vais passer à la diapositive tout de suite pour nous mettre dans le bain du sujet. Donc, si on prend un peu le portrait de la santé mentale au Canada, je pense que ça va nous permettre de dresser la table et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la problématique, elle est bien réelle, elle est importante au Canada. Donc, le taux de prévalence des différents problèmes de santé mentale est élevé. Ce qu'on voit aussi, c'est que même si on est en 2022, il semble y avoir encore beaucoup de stigmatisation et encore beaucoup de chemin à faire. Si on prend pour acquis que 2 personnes sur 3 ont révélé ne pas chercher de l'aide en raison de la stigmatisation associée à la santé mentale. Mais aussi, si on regarde plus au niveau organisationnel, bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 500 000 Canadiens qui sont absents du travail par semaine en raison de santé mentale, mais aussi que la santé mentale constitue l'une des principales causes d'invalidité de courte et de longue durée. Et bien, vous l'aurez deviné, là, ça a un impact annuel d'environ 50 milliards de dollars sur l'économie canadienne. Donc oui, on voit qu'il y a une problématique au niveau national, mais on est convaincu qu'au niveau des entreprises, il y a un certain rôle à jouer, notamment en raison des effets sur l'être humain, là, mais aussi au niveau économique pour les entreprises et pour la société. Donc je vais passer à la suivante. Alors, peut-être certains d'entre vous êtes familiers avec l'initiative Belle Cause pour la cause. Donc, je vais vous présenter là les 4 piliers de cette initiative. Donc, en 2010, déjà, Belle avait reconnu qu'il y avait un besoin urgent pour les Canadiens au niveau du soutien à la santé mentale et avait lancé l'initiative Belle Cause pour la cause. Donc, ça fait déjà 12 ans que l'initiative elle a été lancée. Et il y a 4 piliers auxquels on s'attaque. Donc, le premier, donc la lutte contre la stigmatisation. Donc, si on fait tomber les tabous, on brise petit pas à petit pas la stigmatisation. Ça devrait permettre aux gens d'aller peut-être se sentir plus confortables, d'être plus informés, mais aussi d'aller chercher du soutien. Ensuite, au niveau de la recherche, on croit que si on investit dans la recherche sur les maladies du cerveau, sur le traitement des maladies mentales, à ce moment-là, on va faire un autre pas devant. On milite aussi, ou en tout cas, on veut s'intéresser à améliorer l'accès aux soins et aux traitements pour les Canadiens et les Canadiennes. Et finalement, au niveau de la santé au travail, donc on veut être sûr d'être à l'avant-garde et de promouvoir les meilleures pratiques en milieu de travail. On sait que l'adulte moyen, là, pour la plupart d'entre nous, on passe beaucoup d'heures au travail par semaine. Donc, si le lieu de travail peut être une espèce de filet social, permettre une meilleure forme de connaissance, permettre de diminuer la stigmatisation et de maintenir une santé mentale qui est positive, alors pourquoi pas? Et c'est un peu l'objectif principal de mon équipe. Donc, avec Belle Cause pour la cause. Voilà.
Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a eu un impact à la fois, oui, sur le paysage financier de la santé mentale au Québec, mais aussi sur tout ce qui est comportement et les attitudes par rapport à la santé mentale. Donc, depuis 2000, c'est écrit 2011, mais c'est 2010, le nombre d'interactions lors de la journée Belle cause pour la cause, que ce soit d'envoyer un texto pour soutenir la cause de la santé mentale, partager un message sur la santé mentale, ça a dépassé 1,4 milliard de messages. Donc, 1,4 milliard de messages qui ont voulu vraiment rendre ça public, d'en parler, de pas laisser ça de côté ou de fermer les yeux, mais vraiment de partager ce message commun-là, qui est très important. Et l'aide financière de Bell, en fait, au cours de ces 12 dernières années, dépasse maintenant le 129 millions de dollars. Donc, c'est vraiment une initiative canadienne qui a retenu beaucoup, beaucoup l'attention. Puis pour vous dire, là, l'année passée, à l'événement Belle cause pour la cause de janvier 2022, c'est plus de 164 millions en une seule journée de messages qui ont été envoyés. Et chaque message, en fait, avait 5 sous qui étaient rattachés à ça. Donc, Belle finançait 5 sous par message, ce qui a donné lieu à 8 214 941 $ en une seule journée. Donc, Belle cause pour la cause aussi a permis d'avoir un deuxième impact et de financer la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Et Belle a été en fait l'une des premières entreprises à annoncer son soutien à cette norme-là, mais aussi à l'adopter au sein de notre entreprise. Donc, il y en a peut-être qui se demandent, mais qu'est-ce que cette norme? Donc, la norme, en fait, c'est un peu une forme de guide. Elle offre des conseils clairs et spécialisés pour les organisations canadiennes qui souhaitent aborder la santé mentale et la maladie mentale sur les lieux de travail, qui souhaitent faire un premier pas ou encore qui ont déjà fait quelques pas, mais qui souhaitent pousser leur parcours un peu plus loin. Elle se concentre sur les 13 facteurs psychologiques qui sont connus pour affecter la santé mentale. Je vous en ai listé quelques-uns. Là, on parle de reconnaissance, de culture organisationnelle, de soutien psychologique. Et le lien ici, en fait, qui est en bleu, si certains là, cliquent dessus, à ce moment-là, ça va vous amener directement au site web dans lequel vous pouvez vraiment regarder les trousses qui sont mises à votre disposition. Il y a des tutoriels, il y a certaines vidéos qui vont reprendre l'ensemble des 13 facteurs afin de les expliquer et vous donner un peu le premier pas à faire là, si vous voulez entamer votre virage ou inclure davantage la santé mentale. Donc, ça, c'était un peu l'amorce à la présentation. Donc, si je regarde concrètement la santé mentale chez Belle, à quoi ça ressemble? Donc, comme je vous ai dit tantôt, c'est un parcours un peu, et je pense que ça, c'est un mot-clé. Donc, au départ, en 2010, quand l'initiative Belle cause pour la cause a été lancée, voici le portrait de notre entreprise. Donc, ce qu'on se rendait compte, c'est que les demandes annuelles d'invalidité de courte et de longue durée était à la hausse. Les demandes d'invalidité de courte durée étaient de plus en plus liées à la santé mentale. Lors d'un retour au travail pour une absence qui était liée à la santé mentale, le taux de rechute était de 1 dossier sur 6 et notre taux d'utilisation du programme d'aide aux employés était de 12%. Donc, en regardant ces chiffres-là, on a dit, bon, le pilier de la santé mentale en milieu de travail est important et c'est là qu'on a amorcé le début de notre parcours et un grand virage. Donc, je vais vous présenter les différentes composantes de notre programme de santé mentale. Oups, pardon. Alors, on a les campagnes de sensibilisation, donc Belle cause pour la cause. On a bonifié l'accès aux soins et au soutien psychologique. On a la formation en santé mentale qui est dirigée pour tous les leaders de personnes. Une politique et un programme de retour au travail et les accommodements en milieu de travail. Et enfin, tout ce qui est mesure et évaluation de nos programmes, ce qui est un aspect clé. Donc, pour les besoins de la présentation d'aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'accent sur les deux premières composantes, donc soit les campagnes de sensibilisation et l'accès aux soins psychologiques. Donc, au niveau des différentes campagnes de sensibilisation, nous avons Belle cause pour la cause, qui est d'une durée de 3 semaines en janvier et le point culminant est généralement le dernier mercredi du mois de janvier.
Donc, pour vous donner un exemple, l'année passée, 6 000 employés ont pris part aux différentes activités de sensibilisation durant Belle Cause pour la cause, ce qui était une augmentation de 7% de participation comparativement à l'année précédente. Ensuite de ça, la semaine de la santé mentale qui a lieu la première semaine de mai en partenariat avec l'Association canadienne pour la santé mentale est aussi reprise à l'interne chez Bell. Donc, durant cette semaine-là aussi, on va faire plusieurs événements de sensibilisation, d'information sur la santé mentale, différents workshops. Et enfin, la première semaine d'octobre, donc en partenariat avec l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, on va mener une campagne de sensibilisation auprès de nos employés. Donc, peut-être certains se demandent, mais pourquoi autant de campagnes? Pourquoi les souligner? La réponse, c'est que on croit fermement que au niveau, par l'entremise des campagnes, en fait, on va être capable d'impliquer et d'informer nos employés à travers le pays, donc c'est vraiment une initiative là, que Bell prend pour toutes les provinces du Canada, de lutter contre la stigmatisation, mais aussi de créer un environnement de travail qui va être sain et inclusif. Donc, on essaie vraiment de sensibiliser, de faire tomber les tabous, de démystifier la santé mentale pour certains. Encore en 2022, ça peut être quelque chose qui semble mystérieux, moins bien connu. Et durant ces campagnes-là, ce qu'on a vraiment appris de la pandémie, donc peut-être un point fort, c'est que des événements qui sont à la fois en virtuel et en présentiel peuvent maximiser le nombre de participants aux différents événements. Donc, l'année passée, la participation a été accrue et de mesurer aussi l'impact de ces campagnes-là, de ces événements-là. Donc, est-ce que les gens ont apprécié le type d'information? Est-ce que ça répondait à leurs besoins? Donc, après chaque événement, on les mesure et généralement, on a un taux moyen de satisfaction de 91%, comme quoi les employés sentent que c'était vraiment une bonne utilisation de leurs ressources, de leur temps et qu'ils en veulent encore. Donc, de quoi parlent nos campagnes, nos événements, sur quoi on les sensibilise? Je vous dirais un peu de tout. On se base beaucoup sur les principaux diagnostics en invalidité, sur les demandes d'aide qui sont placées au programme d'aide pour les employés. Donc, bien évidemment, on ne sait pas qui a quel diagnostic ou qui consulte pourquoi, c'est l'information confidentielle, mais on a vraiment plus les grandes catégories. Et à partir des grandes catégories, les nouvelles tendances, ce dont les employés nous suggèrent aussi qui aimeraient entendre parler, on y va. Donc, ça peut passer d'ateliers sur la pleine conscience, donc le mindfulness, ça peut passer sur des ateliers de nutrition, l'importance du sport, comment gérer notre stress, etc. Donc, c'est très, très varié. Et depuis 2010, donc depuis les 12 dernières années, on a tenu plus de 1 500 événements de sensibilisation lors de nos 3 campagnes là, chaque année. Donc, quand même beaucoup d'événements et les gens attendent toujours là, avec autant d'enthousiasme les campagnes là, à chaque année. Donc, je vais enchaîner maintenant avec les différentes sources de soutien au niveau des couvertures. Donc oui, on fait un très grand travail au niveau de l'éducation, au niveau de la sensibilisation, mais encore faut-il s'assurer que nos employés ont les moyens d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin par la suite. Donc dans le souci de s'assurer de ça, on a augmenté les couvertures de soins psychologiques pour enlever en fait le montant limite. Donc c'est vraiment une couverture illimitée, donc les gens peuvent vraiment y aller le nombre de fois qu'ils ont besoin. Pour le nombre de montants qu'ils ont besoin. Et on a augmenté aussi les types de spécialistes qui sont reconnus. Donc oui, les psychologues, mais les psychothérapeutes, les thérapeutes familiaux, les conseillers de couple et les travailleurs sociaux autorisés à pratiquer la psychothérapie en font partie. Et le pourcentage de remboursement, ben, est celui-là dont l'employé choisira la couverture. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a maintenu aussi le programme d'accès pour les programmes d'aide aux employés et à leurs familles. Donc, tout ce qui peut être soutien ponctuel, psychothérapie de courte durée. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'utilisation globale était de 27% en 2021, ce qui est le double de la norme et ce qui constitue 120% d'augmentation par rapport à 2010. En 2020, on a aussi ajouté un programme d'accès de soins virtuels, donc la télémédecine, afin de s'assurer que les gens puissent avoir accès aux soins dont ils ont besoin. Et 8% de toutes ces consultations-là sont en lien avec des problèmes de santé mentale.
Donc, ce qui m'amène un peu à vous présenter les avantages pour les personnes. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ça va attirer plus facilement les talents. C'est une approche qui est plus inclusive et diversifiée, ce qui va faire en sorte que les employés vont se sentir beaucoup plus mobilisés et la productivité accrue de la part des employés. Donc, oui, c'est bon pour les employés et peut-être certains se demandent, et pour les organisations, qu'est-ce qu'il y en est? Donc, pour les organisations, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, d'abord, faut-il mesurer. Donc, l'importance des mesures, dès notre point de départ, en fait, pour savoir où est-ce qu'on se trouve lorsqu'on veut entamer notre virage vers un programme de santé mentale au travail, mais aussi à tout moment. Donc, pour s'assurer que les interventions qu'on met en place, que nos stratégies sont effectivement les bonnes, donc d'avoir des points de repère pour comparer et pour savoir est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction ou faut-il modifier un petit peu. Donc, je pense qu'il faut garder un esprit d'ouverture. Et nous, on a plus de 90 indicateurs de performance qu'on mesure, que ce soit les grandes catégories qui sont responsables de l'invalidité de courte ou longue durée, les pourcentages d'utilisation du programme d'aide pour les employés et leurs familles, ou encore notre sondage d'engagement des employés à chaque année, dans lequel on a intégré les 13 facteurs psychologiques. Et ce qu'on s'est rendu compte au niveau des résultats, c'était que 120% d'augmentation au niveau de l'utilisation du programme d'aide aux employés, ce qui est énorme en 10 ans, mais aussi 551% d'augmentation au niveau des réclamations pour les soins psychologiques par rapport à 2010, 20% de réduction au niveau des demandes de prestations d'invalidité de courte durée en lien avec la santé mentale et une réduction des taux de rechute lors d'un retour au travail de 50%. Donc oui, c'est bon pour l'entreprise. Ce que j'ajouterais, c'est que ces données-là sont vraiment pour notre programme complet. Donc, c'est pas seulement grâce au programme de sensibilisation ou à l'augmentation là, des couvertures, mais vraiment l'ensemble du spectre, donc les 5 composantes que je vous ai présentées en début de présentation. Donc, je terminerai peut-être en disant que nos données ont fait l'état d'un rapport de Deloitte. Donc, Deloitte, en 2019, ont analysé les données historiques sur les investissements de différentes compagnies canadiennes qui étaient à différents stades de leur parcours au niveau de la santé mentale. Ils ont mis en évidence différents défis communs, mais aussi les facteurs de réussite des différents acteurs. Et peut-être brièvement, je vous dirais que ce qu'on peut retenir de ce rapport-là, c'est l'importance de la prévention. Donc, d'investir avant même que des problèmes sortent, c'est toujours une recette gagnante. Donc, il faut vraiment promouvoir le bien-être et la santé mentale positive. L'importance de mesurer les effets pour pouvoir s'ajuster si besoin est. Et d'être patient. Donc, je pense que c'est un mot-clé. Donc, oui, c'est un investissement, la santé mentale. Par contre, on ne va pas voir le résultat dans 6 mois, dans 1 an. Donc, généralement, au moins 3 ou 4 ans pour la plupart des entreprises avant d'être capable de voir qu'il y a en effet un retour sur investissement. Dans notre cas, là, notre retour sur investissement a atteint 4,10 $ pour chaque dollar investi. Donc, je terminerai peut-être avec nos leçons. Ça vous permettrait, là, pour ceux et celles qui veulent peut-être se lancer dans un programme, d'apprendre de nos leçons ou de notre expérience. Donc, je vous dirais que d'obtenir l'adhésion et l'engagement de la haute direction, c'est toujours bien. Pourquoi? Ben parce qu'on va avoir besoin de ressources, tant financières, mais que matérielles. Donc, d'avoir leur engagement, c'est la clé. La norme nationale que je vous ai présentée un petit peu plus tôt est un bon cadre de référence, ça donne des outils. Communiquer hein, avec vos employés, avec les différents départements pour mettre ça en œuvre. Considérer élargir la couverture des avantages sociaux, c'est pas aussi coûteux que ça peut avoir l'air. De garder en mémoire que c'est un parcours, donc il faut vraiment regarder ce que vous avez en place et les mesures du départ vont peut-être vous faire réaliser qu'il y a déjà des choses qui vont bien, que vous faites bien, mais que vous savez pas nécessairement. Donc ça, c'est le côté positif de mesurer et ça va aussi montrer les lacunes ou les choses sur lesquelles on peut miser pour les années à venir et de garder en tête que de mesurer, rester humble et évaluer l'effet de nos mesures, ça va permettre là d'avoir un programme de santé mentale qui va vous réussir. Donc, j'aimerais vous remercier pour ce temps-là, pour la présentation. Merci, Lauriane, pour ce partage d'expérience.
extrêmement riche parce que c'est tellement précieux de voir le chemin qu'a fait l'entreprise et l'effort qu'elle a fait pour essayer d'objectiver finalement les résultats que ça a produit, l'impact que ça a sur les personnes et les collectifs de travail. Et on a besoin de ces données objectivées pour pouvoir inciter un plus grand nombre d'employeurs et d'employés à se mobiliser dans ces programmes-là. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler des deux autres dimensions du programme, parce que là, on a vu qu'une partie de vos actions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tout ça. Il nous reste 5 minutes pour pouvoir prendre des questions des participants. J'ai vu qu'il y avait quelques questions qui étaient passées. Je crois qu'il y a notamment une question pour Sonia sur les aménagements ou accommodements qui peuvent être mis en place pour soutenir l'inclusion et l'intégration des personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Sonia? Alors, ton micro est coupé, Sonia. Voilà. Ça y est, voilà, je l'avais enlevé, mais ça n'a pas marché, je crois. Alors, oui, merci pour cette question. Effectivement, dans cette enquête, on avait relevé un certain nombre d'aménagements dans lesquels les employeurs souhaitaient, enfin, on pouvait potentiellement s'investir. Bon, il y avait beaucoup de choses autour d'associer. Dans le travail et dans l'intégration, un conseiller emploi spécialisé, que ce soit au moment du recrutement ou au moment de l'intégration, pour accompagner et l'entreprise et la personne dans son intégration. Donc avec la possibilité de rendre visite sur le lieu de travail, etc. Dans l'idée des aménagements aussi, c'était qu'il y ait des rencontres possibles en fait entre un conseiller emploi, mais aussi le supérieur hiérarchique, le N plus 1, voire les collègues et la personne recrutée. Donc c'était essayer de faire une histoire d'alliance en fait des différentes parties prenantes au niveau de l'entreprise. Il y avait l'idée aussi de dégager du temps aux collègues, notamment pour ceux qui pourraient être désignés tuteurs ou accompagnants. Évidemment, modifier les exigences de travail, libérer du temps pour des consultations ou un suivi médical éventuel. S'il s'agit d'un retour au travail, réintroduire des tâches, mais graduellement. Proposer des horaires flexibles si nécessaire. Voilà, former. Je voyais tout à l'heure dans le chat, on parlait des premiers secours en santé mentale. Ben, oui, ça c'est ressorti, alors pas sous ces termes-là, mais former les collègues ou les supérieurs aux problématiques de santé mentale, parce que c'est vrai que ce qui ressort dans leur discours, c'est beaucoup, en fait, on ne sait pas faire, s'il y a un problème, on est pris au dépourvu, on ne sait pas comment s'y prendre, etc. Donc, il y a beaucoup d'appréhension pour en fait, enfin, sur des choses qu'on peut très simplement résoudre en fait. Donc, voilà un petit peu grosso modo les idées qui ressortaient et surtout avec quand même, je t'ai insisté là-dessus, les demandes de soutien, les besoins de soutien étaient plus orientés sur oui, aidez-nous, nous les employeurs, les managers. À inclure plutôt que des aides financières qui les intéressent pas tant que ça en fait et plutôt que des accompagnements de la personne ayant des problématiques de santé mentale. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide eux. Qu'on les Voilà. accompagne eux, Qu'on les exactement. accompagne eux. Ouais, exactement. Et je retiens le mot d'alliance. C'est-à-dire, on a besoin de créer Oui. des alliances et de faire circuler finalement la disponibilité, le sujet, la réflexion. Et on n'est pas sur des installations très techniques, on est sur l'organisation du travail ordinaire finalement dans lequel on met de la souplesse et de la dynamique. C'est ça. Alors, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais
C'est vraiment de ça dont il s'agit, je crois. Hein. C'est Okay. vraiment de la question de l'alliance. Super. Merci Sonia. On peut peut-être prendre une Avec deuxième plaisir. question. Alors, qu'en est-il lorsque le cadre de l'expérience d'inclusion n'a pas eu lieu? Alors, ça, c'est à nouveau peut-être une question pour Sonia. Oui, alors, qu'en est-il? C'est difficile de répondre à cette question si ce n'est que là, il n'y a pas eu d'expérience. Donc, l'idée, c'est de voir effectivement à quel niveau en est l'entreprise dans ses représentations des problématiques de santé mentale, voire du handicap psychique, comme on l'appelle en France. Avec tout simplement, c'est une question qui a été posée aussi dans le chat, comment on fait pour évaluer la maturité? Ben, on peut, ben, y a un certain nombre d'éléments que j'ai donnés ici qui peuvent faire l'objet de questions, tout simplement, hein, se renseigner un petit peu sur comment les gens appréhendent ces questions-là. Ça donne déjà une idée de la maturité, et puis également la politique sociale donne un très bon indicateur. Oui. Et du coup, ça me fait rebondir aussi sur quelque chose que vous avez évoqué dans le chat, c'est tout l'intérêt des marches de formation, de pédagogie ou d'information comme les premiers secours en santé mentale qui permettent de faire tomber un certain nombre d'appréhensions quand on n'a pas eu l'occasion de rencontrer des personnes et que finalement on a beaucoup de stéréotypes, d'inquiétudes et de peurs et de s'apercevoir que on est légitime pour parler de santé mentale même si on n'est pas un expert, même si on n'est pas un soignant et que ces affaires de santé mentale, c'est finalement des affaires de rencontres entre personnes, de liens, de capacité à s'écouter les uns les autres, à se reconnaître les uns les autres dans nos diversités et pas qu'une affaire d'experts. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis ça met les gens en situation de pouvoir gérer une situation qui, au fond, leur fait peur, mais leur fait peur surtout parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire, en fait. Voilà, exactement. Et on peut montrer qu'il y a des choses à faire, il y a des postures à adopter. C'est là où il y a du stéréotype, mais il y a des leviers quand même, Tout à fait. hein. Ouais. On peut prendre une dernière question, peut-être? Alors, question pour Laurence. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous en milieu de travail et qu'est-ce qui pourrait vous aider, Laurence? Alors, au début, ce qui était difficile, bah, c'était tout parce que j'avais peur des gens. Donc, je travaillais dans une librairie. C'était compliqué. Dès qu'on m'approchait, j'avais envie de crier. Donc, ce qui m'a aidé au début, c'est que j'avais un suivi psy quand même très rapproché. Et je me souviens que j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait avec des gens qui avaient des problèmes de santé mentale et qui les aidait dans leur boulot. Et donc, qui pouvait, non seulement il les aidait à trouver un travail, mais il ne les abandonnait pas une fois qu'ils avaient trouvé un travail. Ils pouvaient venir pendant leur pause déjeuner, par exemple, pour parler avec eux s'ils avaient besoin. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment génial. Je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose dont j'aurais pu bénéficier, qui m'aurait beaucoup aidé. Sinon, ce qui est difficile, ce qui est pour le long cours, c'était plus les relations entre collègues. Et ce qui m'a aidé, ben, c'est dans mon ancienne boîte, avoir vraiment des gens que je considérais comme presque des amis. Et dans ma nouvelle entreprise, ben, comme on est cinq, il n'y a pas de clan, il y a une ambiance plus apaisée. Donc ça, c'est des choses qui m'aident, quoi, de ne pas avoir de tension comme ça entre les collègues. La proximité, finalement, Ouais. ouais, d'être de bien s'entendre. Et finalement, ça, c'est ce que disait Sonia. On constate que finalement, le collectif de proximité est déterminant Ouais. pour le maintien dans l'emploi. Et ce collectif, il peut exister même dans des très grandes entreprises où ben, on a son service, où il peut y avoir une bonne ambiance de travail, de bonnes relations et on se soutient les uns les autres. Et ça, c'est hyper favorable Ouais. au quotidien. Au travail. Et là, ce à quoi vous faites référence, Laurence, c'est notamment, ça me fait penser au dispositif d'emploi accompagné ou de job coaching qui se développe beaucoup, notamment en France et qui ont été très développés au Canada et qui permettent effectivement d'apporter ce soutien dans une grande proximité pour la personne, même quand elle est déjà entrée dans l'emploi, ça Ouais. s'arrête pas à la porte de l'entreprise et ça,
on voit que ça donne des résultats qui sont très porteurs et très positifs sur l'accès à l'emploi et le maintien dans l'emploi. Je vous remercie infiniment pour vos partages, tous ces éléments d'éclairage extrêmement riches et intéressants. Vous aviez un challenge à relever qui était de nous nourrir en si peu de temps. Vous avez relevé le défi. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à tous les participants. Vous étiez extrêmement nombreux aujourd'hui. On en est ravis, de plein de pays dans le monde. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment une réussite de se dire que tout ça circule et que nos différents pays, nos différentes pratiques convergent vers un même objectif qui est de mieux porter ces sujets-là. On vous donne rendez-vous pour notre troisième webinaire qui parlera plus particulièrement du management, comment on intègre la dimension de la santé mentale dans la réflexion sur les nouvelles postures managériales. Ça aura lieu le 6 mars. Attention, on décale d'une heure notre rencontre pour permettre aux Canadiens de démarrer plus en douceur le matin. Et puis en Europe, ce sera à 16h. Il y a Fabienne Germont qui partagera son expérience d'accompagnement de ses managers. Nancy Thomas qui confirmera, mais qui partagera elle-même son expérience d'inclusion et de management d'une personne concernée. Et puis, on parlera de médiation avec un expert en management. Je vous rappelle qu'on vous invite à répondre nombreux à notre enquête pour nos travaux de recherche. C'est hyper important qu'on ait des échantillons significatifs auprès de tous les acteurs de la santé mentale. Et puis, vous pourrez voir le replay de cette rencontre-là gratuitement sur le site de la communauté de pratique en cliquant sur le lien sur notre page événement. Merci à vous trois et à tous les participants pour cette belle rencontre. À très bientôt et bonne fête de fin d'année. Au revoir.